Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous voyez, on est sur FS19. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Petit 1, comment cheater l'argent sur farming. Et après, comment installer des mods. Bon, beaucoup sachent, mais bon, je préfère encore montrer. Voilà, et après, plus tard, je vous présente tous une autre petite vidéo tuto. Alors c'est parti, on va créer une nouvelle partie. Hop, on prend la 2. On va prendre le nouveau fermier. Ça, on a déjà des bâtiments. Et on va tester la map of the game parce que pour l'instant j'ai jamais encore été dessus. Personnage, bon, ça on prend ça après. Pas grave. Donc ça c'est les modes où je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, on démarre la partie. Alors je vais faire j'ai coupé pour vous passer le temps que ça charge. Donc ouais les gars, ça y est, la partie est prête à démarrer. Hop, ça va démarrer. Bon. Du coup, voilà, on spawn là sur la map. Bon, vous voyez, là-haut, on a 100 000. Bon, on n'est pas riche, hein, les gars. Hein. C'est pour ça qu'on va acheter un 1500 plus une fin idéale. Du coup, hop. On va tout de suite sauvegarder la partie. Et après on va aller cheater l'argent. Hop, sauvegarder. On se retrouve tout de suite dans les documents. Bon les gars, du coup, bah là on est dans ce PC. Là vous allez sur ça. Et après vous allez dans vos documents. Dans My Game. Et dans Farming Simulator 19. Du coup, après, vous allez dans votre partie. Votre partie, c'est la partie 2. Voilà, enfin, moi, c'est la 2. Vous, c'est peut-être autre chose. Et là, c'est plus comme l'année dernière dans Carrière 16 Game. Voilà, au début, ben, c'est sûr, j'ai fait erreur. Je pensais que ça allait être comme dans le 17. Et non, maintenant, c'est dans Farm. Du coup, vous allez ici. Et là, avant, il fallait plein de trucs de bordel à trouver. Tout ça. Maintenant, les gars, c'est facile. C'est ici. Alors les zéros ici, ça sert à rien de les modifier, c'est ici en gros qu'il faut modifier, vous voyez le point, vous faites un petit zoom au montage, comme ça vous allez mieux voir, voilà, ici, et là vous allez taper tous les chiffres que vous voulez, voilà, masse, argent, voilà, bon là les gars vous êtes tranquille hein, pour beaucoup, pour beaucoup de temps là, à mon avis, on peut jouer des centaines d'heures sur la partie, avant qu'on utilise tout ça en même temps, vous faites enregistrer bien sûr, vous faites la croix, enregistrer, voilà, pour quand même. Du coup, après, on va se retrouver dans le jeu. Relégation, on est dans le jeu. Surtout dans notre partie. Vous voyez, bon, les gars, l'argent n'a pas changé. Mais, vous allez voir que, normalement, pour la partie, il va y être. Bon, allez, hop, c'est bon, les gars, on peut redémarrer la partie. Alors là, faut attendre un petit peu que la partie charge. Nous, revoilà sur la partie. Et vous voyez là-haut, on a tout notre argent. Voilà, voilà. Bon, il a même tellement un ami qu'il n'a pas tout affiché. Quoique, si normal, il a tout affiché. Et là, les gars, maintenant, on peut y aller sans problème. Voilà. Les gars, vous l'avez 50? Je vous l'offre. Bon, allez. 900 vario. Bon, allez. C'est bon, on se prend? Ouais. Tranquille. Voilà, on va mettre 3 mètres. Non, en fait, il est mis en standard. Parce qu'en 3 mètres, on a l'impression qu'il vole, il est trop large, c'est nul. Voilà, achetez les gars, on a même besoin de bleu et achetez, pour qu'on y est. Vous voulez une fin aussi? Une fin idéale? On va prendre une fin idéale. Allez hop, c'est parti. Hop. Idéal, hop, achetez. Franchement, les gars, avec bah, ça, bon, c'est sûr, c'est cheaté, hein, mais bon. Avec ça, bon, vous pouvez faire sa ferme vite fait. C'est du vieux Fiat, vous voyez les gars, du vieux Fiat, on passe à ça. Voilà, un monstre. Voilà, dans le jargon, j'appelle ça un monstre, hein, franchement, vu la taille du tracteur. Ah, écoutez un peu ton son. Alors là, j'ai quelques coups de lag, franchement, parce que je suis en vidéo, là, mais non, normalement, le jeu ne lag pas. Ah c'est franchement les PS9 les gars, allez-y, les yeux fermés. Quand même, bon, il est, donc sur PS4 c'est sûr il est cher.
Et franchement, le gars, il est tellement génial. En fait, je vous dis, en plus, là, le gros comme ça, Dauphin, c'est la première chose que je teste. Voilà, du coup, maintenant, vous avez vu comment cheater l'argent, ou comment faire une méga ferme comme vous voulez. Voilà, on peut acheter plein de matos, on a eu 485 000 machines à coton. Ça nous fait pas peur. Voilà, hop. Du coup, le coton, les gars, j'en ai pas encore fait, mais je vais bientôt vous faire une vidéo, je pense. J'ai envie de découvrir ça en même temps que vous. Voilà, bon, on va juste regarder à l'intérieur. Bon, c'est stylé, c'est sobre. Hein. Mais voilà. Du coup, bon, on passe tout de suite à la deuxième partie. Bon, les gars, ça y est, on se retrouve pour la seconde partie. Comment installer un mod? Alors, je vous prends déjà plusieurs sites de mod. Alors, un que je vais très souvent, c'est GamesMod. GamesMod, je ne sais pas trop comment on dit. Alors là franchement les gars il y a du mode tous les jours, tout ça, il y a plein de trucs, il y a des fois des conneries, voilà. Et il n'y a pas que Farming, il y a ETS2, il y a GTA, il y a plein de modes. Allez les gars, ça y est, voilà, on a des trucs sur les fans, le fan en vert. Alors on a plein de trucs, et puis il y a des centaines de pages, pas que sur FS19, hein, il y a plein, voilà, sur plein de jeux différents. Voilà, et après alors ce site là, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Après, je vous montrerai comment installer un mode sur ce site. Mais un deuxième site aussi, un point très important. Et c'est tout frais. Les gars, ça vient d'arriver. C'est le site d'Energy5. Voilà, King Mod. Alors, franchement, les gars, c'est super. En fait, voilà, faut que je crée un compte. J'en ai créé un, voilà, avec mon logo. Super simple. Après, les gars, vous avez des super modes, tout ça. En fait, c'est comme un mini réseau social. Vous voyez des messages, s'abonner aux gens, tout ça. C'est vraiment stylé. C'est pas comme un site de mode où tu télécharges ton truc et basta. C'est vraiment, voilà, c'est convivial, tu peux t'envoyer des messages, tu peux machin. Et puis, voilà, il y a toujours tous les jours des modes qui sont sortis. Il y a des gars, j'ai fait un tour. Depuis tout à l'heure, il y a tout ça qui est sorti. Voilà. Enfin, depuis, en gros, il est presque hier, il y a tout ça qui est sorti. C'est vraiment fou, quoi. Il y a tout le temps des modes qui sortent sur le site à J5. Alors, bien sûr, bah, les deux sites que je vous ai rentés seront en description. Alors, j'essaierai d'y penser parce que je sais que des fois j'oublie les liens. Si vous voyez que je l'ai pas mis, mettez-le moi en commentaire. Du coup, on va prendre un mode 2 sur GamesMod pour vous montrer comment on l'installe. Alors, s'il veut bien charger. Voilà, alors là, vous voyez, c'est un mode pour augmenter le temps. Voilà. Alors, déjà, ça c'est vraiment cool. Hein, le temps que vous voulez faire pousser au futur, voilà. C'est très, très important. C'est pratique. Du coup, alors on a vu c'est le c'est Camtasia, ça fait laguer un peu, je suis pas fluide. Voilà, du coup les gars, très simple, vous allez cliquer sur download. Alors normalement ici je vous fais bien tout ce que j'ai fait. Voilà, fermer les pubs dès que vous voyez qu'il y a un autre truc qui arrive, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème de virus, voilà. De virus, voilà, d'autres problèmes, je ne sais quoi. Alors, on clique sur confirmer. Alors là, après, il va nous mettre un autre. Alors là, vous pouvez être free, parce que c'est gratuit, ça le premium, ça sert à rien. Désolé, les gars, je lag un peu avec. Camtasia quand il record. Là les gars, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Hein, faut attendre. Et maintenant ça va se télécharger. Alors voyez, en bas il y a des trucs qui chargent. Hop. Voilà, vous voyez, ça apparaît, bon ça a pris une seconde, voilà, c'est fini. Et on va prendre un mode de chez Energy5 là de son site. Du coup, on va prendre quoi, ça ou la rivaleuse, non. Prendre le chargement, non. Ah, si, j'ai vu un mode pas mal. C'est un mode pour porter les bottes, j'ai vu ça. Je crois que c'est en haut. Voilà, c'est ça. C'est le mode pour soulever les bottes. C'est vraiment pratique, ça, des fois, les gars, pour charger des maisons. Si on n'a pas de. Si, mettons, on n'a pas pris notre Fenwick et qu'on veut charger dans le pick-up. Bon, c'est sûr, c'est pas RP. Hein.
Et bon, si vous chargez le pick-up en... Bon, ah, comment dire, un big bag, voilà. Vous voyez, bah là, ici, il fait. Voilà, il lève ça et ça va, c'est comme ça au moment où on n'a pas besoin d'avoir un chargeur avec nous. Voilà. Du coup, ici, on est téléchargé. Bon, alors, c'est la première fois que je fais, les gars, sur le site de R5. Bon, je pense que ça va pas être différent des autres. Ça charge. Alors, lui, c'est mode de base, le truc, le. Comment dire, le site où on peut télécharger le mode. Enfin, pas le site, mais. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. Si vous êtes sur un autre site, faites free download. Download file. Attends, ça change un peu. Et normalement, vous, ça va être plus rapide hein, si vous avez moins de connexion. Voilà, c'est mon logiciel de montage qui me fait laguer. Voilà, ça y est, il arrive en bas. Maintenant, on a nos deux modes. Du coup, on va cliquer dessus sur le premier. Et le premier, c'est le mode pour l'heure. Alors, hop, il va s'ouvrir. Après, on va aller dans document, enfin dans téléchargement. Et là, vous voyez que c'est lui, il a marqué FS19. Et c'est bon, je prends les deux en même temps, on va gagner notre temps. Vous prenez les deux. Voilà. Et vous les faites glisser dans document. Dans document. My game. Enfin, oui, c'est dans 19. Et dans mode. Alors, il n'y a pas besoin de les zipper, les gars, faut les laisser zipper comme ça. Voilà. Maintenant que vous avez compris comment installer des modes, dans la description, je vous mettrai comment télécharger le petit véhicule jaune d'air, vous savez, qu'on avait ceux qui avaient l'édition collector avait. Voilà, il est sorti en mode, du coup, on peut l'avoir. Je vais vous mettre le lien en description, et puis c'est pareil, vous ferez pareil que ça et vous installerez ce mode. Du coup, on va aller retrouver le mode sur le jeu. Donc voilà les gars, sur le jeu, hop, on peut continuer. Et là, vous voyez qu'on a bien le mode. Alors ça, c'est un mode bleu là, pour le temps. Donc c'est pour activer les objets. Voilà. Et on a le petit jeune d'air que je vous ai mis, ça, que je vais vous mettre en description. Donc ça c'est le machine RAM, vous pouvez le trouver aussi sur les modes. Alors, moi je l'ai eu parce que j'ai un code voilà, dans la boîte du jeu, mais vous pouvez l'avoir aussi sur les modes. Du coup c'est démarré. Et là on va attendre que la partie charge, donc on trouve juste après que la partie est chargée. Bon ça y est les gars, c'est bon, on peut lancer la partie. Alors ça va toujours un petit peu de temps, le temps que tout ça se charge, tout ça. Nous voilà en France en partie. Et normalement on peut regarder, bah, de toute façon j'ai rien acheté en fait finalement. Envoyé pour la partie normalement c'était RLR je crois. Par contre je sais pas pour le temps comment ça se passe. Bon alors je sais pas. Bon normalement le mode a été mis, mais bon on va pouvoir vérifier au moins si le mode a été bien mis. Celui pour lever les objets, je vais y arriver. Voilà, oui, normalement ça, un truc comme ça, on peut pas le lever, voilà. Voilà les gars, c'est vraiment super. On peut lever des trucs comme ça, voilà. Même les jeter, vous voyez. Attendez, je vais le prendre et le jeter. Voilà, ça va pas trop loin, mais bon. Vous voyez, ça y est, ça le jette. Et par contre, après, pour le mode, pour avoir le temps, ça je sais pas trop, ça va peut-être c'était RLR. Je sais pas. Bon, ça a pas l'air ça. Bon, je sais pas les gars, pour le mode, pour le temps. Je vous dirai au pire, je vous mettrai en description quel contrôle faut faire pour réussir à mettre le mode. Voilà. Moi, merci d'avoir suivi cette vidéo tuto.
On se retrouve très vite pour une prochaine. Je pense qu'aujourd'hui, on fera plus tard une petite vidéo, soit avec le coton ou des trucs comme ça. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine. Sur ce, bye!